Mercato Liverpool, Darwin Nguyen-Tilde, Benfica, aurait trouvé un accord avec les Reds. Premier League. Selon les informations de The Athletic, Liverpool aurait trouvé un accord avec Darwin Núñez, l'attaquant international uruguayen de 22 ans auteur de 34 buts toutes compétitions confondues cette saison avec Benfica. Désormais, les Reds doivent trouver un terrain d'entente avec la formation portugaise qui espère récupérer 100 millions d'euros bonus compris. Et si Liverpool anticipait déjà la presse à Sadio Mané? Alors que l'attaquant international sénégalais a fait l'objet d'une deuxième offre du Bayern Munich refusée par les Reds, note de la rédaction, environ 35 millions d'euros, le média anglais The Athletic révèle jeudi que le club entraîné par Jürgen Klopp a trouvé un accord avec Darwin Núñez, l'attaquant international uruguayen de Benfica. Cette saison, le joueur de 22 ans, passé par Peñarol et Almeria, a marqué 34 buts toutes compétitions confondues, attisant les convoitises des plus grands clubs d'Europe et notamment du PSG. Cependant, le deuxième de Premier League semble avoir été plus rapide sur ce dossier mais doit encore trouver un accord avec le club lisboète. Ce jeudi matin, le journaliste Fabrizio Romano annonçait que les Reds s'apprêtaient à transmettre une offre de 80 millions d'euros plus des bonus à Benfica. De son côté, la formation portugaise espère récupérer 100 millions au total, 80 millions plus 20 millions de bonus, précise The Athletic. D'après le média portugais Record, Darwin Núñez aurait une préférence pour Liverpool, une équipe qu'il a affrontée cette saison en quart de finale de Ligue des Champions. En marge du match retour, Jürgen Klopp avait dit tout le bien qu'il pensait de l'Uruguayen. C'est un très bon garçon, je le connaissais avant, bien sûr, mais il a bien joué contre nous. Il est fort physiquement, rapide, calme à la finition, a-t-il indiqué. S'il évite les blessures, il fera une belle carrière, une carrière qui pourrait bientôt prendre encore plus d'ampleur avec une signature à Liverpool. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.